Et si vous contrôliez votre vue dans un camion, tout près de chez vous et sans rendez-vous, un opticien itinérant propose justement des dépistages dans la région. Nous avons suivi l'une de ces haltes du côté de Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir. Romane Sabatier et Didier Le Pape. Estimer la correction nécessaire. Fixez bien la montgolfière devant, vous fixez, vous ne bougez plus, même si ça devient flou, on continue à fixer, c'est parfait, je vous remercie, je vous laisse vous enlever. Pour tester ensuite de nouveaux verres. Troisième ligne, est-ce qu'on y arrive ? On va essayer ensuite la correction proposée par l'appareil. Alors ça, c'est le verre 1. Ce jeune homme est venu tester sa vue. Il a pourtant changé ses lunettes il y a seulement 4 mois. Au niveau de la correction des lunettes, j'ai l'impression que c'était un peu fort. Donc je voulais vérifier si c'était en accord avec l'ordonnance pour pouvoir reconsulter au cas où. D'après l'Association pour l'amélioration de la vue, entre 30 et 40% des Français ont constaté de nouveaux troubles de la vision après les confinements. La raison principale, l'utilisation des écrans. Alors, petit conseil. C'est mettre le menton dans le creux de la main et mettre le document au niveau du coude. Il ne faut pas être plus près que cette distance-là. Si on est plus près, déjà, ça tire sur les yeux, ça peut les fatiguer. Mais bien souvent, la difficulté, c'est de trouver un spécialiste. Ça peut être le nombre de personnes qui ont besoin de correction, qui sont sensibilisées à leur vue, qui sont très sollicitées sur les écrans et il y a des gènes. Donc l'intérêt de voir un ophtalmologiste. Et puis également le nombre d'ophtalmologistes qui est insuffisant par rapport à la population. Et du coup, ça engendre des délais assez longs sur beaucoup de régions de France. L'optocar poursuivra son périple à travers l'Eure-et-Loir. Prochain arrêt demain à Brou.